Et yo tout le monde, c'est Tiob, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Rome de Total War dans lequel nous jouons Rome, la dynastie des Junia. Nous avions, lors de l'épisode précédent, repoussé vaillamment une invasion massilienne. Hélas, on a failli se prendre une petite déconvenue là au niveau de notre flotte entre Olisipo et Brigantium. Mais surtout les enfants de Morgane là qui font le siège de de cette cité, j'aime pas ça, j'aime pas la blague. Non, je suis pas fan de cette blague là, je l'avoue. Mais grand bien leur face, je vais les attaquer avec la Legio 9 Antica. Et submergé par notre nombre de deux. Ils n'ont rien pu faire. Et ils ont dû fuir. Alors. Oh, mais attends, il n'y a même pas de rescapé. Oh, c'est trop bien. Wow. Ah, la Légio 8, elle a pris cher par contre. On va tuer. Putain, j'ai pas beaucoup de temps. C'est ça. Voilà, c'est bien. Voyons voir. On va continuer de recruter ce qu'on avait prévu de recruter, parce que je ne sais plus ce que je voulais recruter, donc on va recruter. J'avais beaucoup de fois recruté. Ah. C'était des Pringy PS, hein. J'étais parti sur un truc classique. Vraiment basique. Remontons, tranquillou. Les montagnes par là. Et on monte les montagnes à cheval. Et on monte les montagnes à cheval. Super. Il s'est fait fumer lui. Il est pas mort, il est blessé, mais bon, ça aide pas non plus. Hein. Technologie, j'avoue. Moins 10% de coût de recrutement des agents, toutes les provinces. Moins 3% de coût de recrutement de toutes les unités. Ok. Moins 3% d'entretien pour toutes. Oh! Pas mal. Allez. Là, lui, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va tenter des choses, mais. Là il a pris cher et là j'ai une belle armée là, qui attend juste d'aller zigouiller du Romain. Du Massilia. Massalia. Massilia. Hop, lui je sais pas où est-ce qu'il va vouloir partir, mais pas loin. Hop. Impeccable. Là j'intercepte double armée. On va équilibrer, on veut essayer d'éviter d'avoir de la perte bêtement. Hop, on lui en retire deux. Et comme les dents, jamais une seule. Non, c'est pas ça. Là, pareil, on va. Hop là, battre l'armée suivante, la fierté d'Agamemnon. Agamemnon. Très bien, un peu de trésorerie. Patavium, est-ce qu'il y a du monde pour défendre? Oui, un petit peu, mais on a double armée normalement, pire. Même pas besoin. Regardez-moi ça, ça se fait tout seul. Hop, slack. Parade. Coup de coude. Jugulaire. Propre. Et on l'occupe! Voilà! Voilà, ça qu'on aime. Là, il pourra rien faire. Si je me remets en marche forcée, je peux arriver à lever la tri. Je vais demander quand même à ma Légio 7 d'aller à Ariminium. Au cas où. Voilà, on fait une percée chez les Grecs. On va te faire voir chez les Grecs. Oh, mais attends, les jettes. Bonjour, les jettes. On se connaît, toi et moi, ou... Est-ce que tu es content que je tape sur Massilia? Plus que ça. Dommage.
Ah, tu m'en vois navré. Hein. Sinon, vous m'attaquez quand vous voulez, vous, sur Tarako. Il n'y a pas de problème, je vous attends. On est en infériorité numérique. N'hésitez pas, hein, les mecs. Hein. Il avait même pas remodifié les bâtiments de ces villes? Ok. Je cherchais une espionne là, non? Y'a pas un délire du genre? Oui. Ah, voilà. Une espionne parfaite pour être assassin. Voyons voir. Est-ce que je peux promouvoir du monde ou pas? Oh la vache. Y a beaucoup de... J'ai beaucoup d'unités, mine de rien. Ah oui, non, mais là, c'est vrai que c'est le truc bugué là. Alors, le plus de probabilité d'avoir un enfant. Y a pas un truc recherche. Bingo. De la ruse. Toi, félicitations, tu peux être promu deux fois. Deux pour le prix d'un, bien. Toi, tu peux être promu une fois. Félicitations. Et toi, non. Non. Oui, félicitations pour ta promotion. Parfait. Les Julia qui sont toujours là, hein, mine de rien. Si je regarde au niveau de l'ordre public, parce que je sais que ça avait baissé à cause du passage en empire. Chaque tour, ça doit se baisser dans la réforme du gouvernement, ouais, c'est ça. Bon alors les Pictons. Vous avez foutu deux armées en l'air. Ah! Regardez la carte à Dasht. Ah ouais ça. Ah zut, il y a une deuxième armée. Ah je l'ai pas vu venir celle-là. Oh ça va être compliqué là. Oh des balistes géantes! Oh des Tureos! Oh ça c'est compliqué. Oh la vache. Oh là ça va être compliqué de Tureos et tout là. Peltast, oh il y a une belle armée là. Alors non, parce que les balistes géantes viennent avec son armée de renfort et ils sont trop loin. Après, j'ai pas grand chose. Est-ce qu'en résolution automatique ça passerait? On va lui faire de la perte. On va lui faire de la perte. Pas de général? Ou c'est un hoplite? J'ai l'impression que c'est ça, son général, j'ai l'impression que c'est un hoplite. Alors. Hop, excusez-moi un instant. Ah bah yes, ah, ça tombe bien, il y a de l'orage, parfait ça. Si mon rec il est planté, m'en voulez pas, c'est l'orage. J'ai pas grand chose. Un bel orage sec en plus, hein. Oh, aïe aïe. Alors, on va placer ça, on va placer ça là, faut pas apporter des unités. Oui. Je vais mettre deux unités plutôt en forme pour bloquer le passage ici au cas où. Formation tortue et à l'attaque. Parfait. Brave Romain sans exception. Je vais mettre trois unités moi derrière. Je suis obligé de bloquer par là-bas moi.
Et le reste, bah, j'ai pas grand chose d'autre, hein. Tu me diras le reste. Le reste, c'est pas beaucoup. Hein. Mettre ma cavalerie là. Ça va faire beaucoup mieux. Des tirailleurs, des hoplites, ah, et la cavalerie qui va peut-être. Mais il ne faut pas les sous-estimer. Ils peuvent mordre et griffer comme des filles de joie. Passez-les par l'épée. Quelqu'un qui va vouloir faire une charge, hein, je suppose. Un peu juste au cas où, tiens, si elle veut charger. Je vais l'attendre avec. Avec l'épilum. Alors, ces renforts, ils viennent. Oh merde. Oh putain, ces renforts, ils viennent par derrière. C'est pas bon. Faut que je passe en formation. Tortue au cas où. À votre commandement. Au nom de Rome. Oh la vache, oh, ça tonne sec. Ça tonne sec. Ils envoient quoi? Cavalerie de Massilia, cavalerie lancée pays. Ouais, ça devrait être bon. Besoin de mettre en tortue. Oh, par contre, là, je vais avoir besoin de les mettre en tortue défensive. Eux. Je vais les mettre là-bas. On va leur faire faire le tour. Eux, je les envoie. Là, c'est la cavalerie qui tient. Leur cavalerie est mauvaise, leur cavalerie tarentine. Ouais. Excusez-moi, je vais fermer la fenêtre, sinon vous allez tout entendre. Ouais. Ok. Comment que ça se passe là-bas? Ça va bientôt charger, hein. Ils ont trop d'unités à distance là, les Touléos, etc. là. Et ça me pose problème. Heureusement, ils emmènent des gens au corps à corps, ça va limiter les. Ah bah, si, ça devrait limiter les tirs. Il devrait vouloir. Il va vouloir éviter, je pense. Hop, alors j'aimerais bien les envoyer faire un petit tour. Ah, saloperie. C'est en formation tortue, les mecs. Charge, on passe en formation normale. Il charge pas, on repasse en tortue. C'est terrible ça. Voilà, tant que. Bon, après, tant qu'on est en tortue, on est bien protégé de ces projectiles. Ah, oh, terrible avec la cavalerie tarentine. Ça a temporisé le reste en plus, je suis pas fan. Ça va être compliqué. Hein. Trieri, ils vont pouvoir tenir un moment, mais pas non plus ad vitam aeternam, quoi. Là, je peux pas les envoyer vu que. Ah, ça y est, ils ont commencé. Ouais, ils ont commencé le corps à corps avec certaines unités. Ok, toutes mes excuses, j'ai dû rentrer des choses à cause de l'orage. On va pouvoir reprendre là où on en était. Ah, ça m'a coupé dans mon élan, c'est pas terrible ça. Ouais, d'accord, il y avait une charge, mais vu qu'on était en formation, je sais plus comment ça s'appelle, Tortue, c'était passé, il n'y avait pas eu trop de dégâts. Je vais faire le tour avec ces troupes. À la marche, et je vais attendre que les autres arrivent pour attaquer un peu par l'arrière. Voyons voir les Tureos, ils ont fini par utiliser leurs munitions, toujours pas la cavalerie tarentine, donc je peux pas non plus l'envoyer la mienne. Ah, oh, c'est terrible ça. Général. Les Trieri, ils tiennent plutôt pas mal. Une unité de hoplite là-bas qui est assez lente.
Ouais, ça reste des petites unités légères. Hein. Ouais, quand même y avoir besoin de renfort. Hein. Ouais, j'ai bien fait de les emmener ça. Eltast? Ouais, non, y a pas grand chose en unité à distance. Allez, je vais placer ma cavalerie là-bas. Je vais commencer à bouger ces unités là-bas. Ouais, il se prend des tirs alliés. Hein. Moi, je m'en prends, je prends cher aussi ici. Cette unité-là, elle prend cher, hélas. Ah! C'est une partie de leur cavalerie tarentine à charger. Avec l'ensemble de leur cavalerie tarentine charge, et après, au pire, c'est pas très grave s'il reste quelques lances. Il veut pas avancer plus, ok. Il fait des dégâts là-bas. Hop, eux. Si eux, je vais les accélérer et je vais essayer de faire en sorte qu'ils se prennent des projectiles derrière. En formation torture offensive. Bingo, ça a marché. Allez, plus vite, 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 les mecs. Et puis si vous placez en formation. C'est pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Je vais te mettre en protection là. Voilà, je suis en ils ont par contre des boucliers. Hein. Des pilums dans le bouclier. Enfin des lances du coup. Ok. Là on va pouvoir y aller à pied. Tranquillou. Tranquillou mais pas tant que ça. Oh merde, ah, j'ai pas vu. Super pour de la cavalerie de choc de se faire engager comme ça. Non, 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 on va se mettre comme ça. Attends, ils ont encore des munitions ? Hop, on va charger, nous. Ah, le salaud, il attaque pas. Oh, le salaud, il attaque pas. Ah, j'étais persuadé qu'il allait charger, le salaud. Oh, les pertes que je vais me prendre, là. Terrible, bon. La cavalerie tarentine, elle se prend une charge de côté, c'est bon. Là, on absorbe vachement de projectiles, mine de rien. Là, ça les a, une, arriver au corps à corps, ça les empêche de trop tirer. Attends, quoi? Comment ça, il passe sur le côté, lui? Allez, une partie, là, qui les poursuit. Je veux pas qu'ils attaquent, qu'ils prennent le point. Ni qu'ils attaquent, mais en général. Je vais pas avoir le choix, je vais être obligé de les intercepter. Ouais. Qu'est-ce que t'attends? Vas-y, là! Oh, c'est pas vrai. T'attends quoi qu'il pleuve? Il pleut déjà. Ok, c'est bon. Donc, je vais les envoyer derrière mes troupes pour leur donner du soutien moral. Là, ils ont fui, c'est parfait. Je vais me mettre là, je vais reculer, je vais charger encore une fois. Le but, c'est vraiment... Dégagé là. C'est pas au corps à corps comme ça. Voilà une bonne charge là. Là-bas aussi, il y a une bonne charge. Là, on absorbe encore toujours plus de projectiles. Au bout d'un moment, ça va être difficile. Hein. Par contre, il va falloir faire attention. On rappelle que c'est de la cavalerie de choc.
commandant. Donc on se méfie, on veut pas trop rester au corps à corps avec de la cavalerie de choc. Bon bah toi tu l'as cherché mon ami au bout d'un moment. Ils sont à bout de souffle les pauvres. Ouais. Ils se prennent charge sur charge. Oh, ils sont 30 attaqués par l'arrière là, ils gardent le moral. Hein. Allez. Donc, faut faire une autre petite charge. Hop. Là je vais retirer le feu à volonté. Tout ce que je vais vouloir moi c'est qu'ils arrivent hop comme ça derrière. Et qu'ils balancent leurs projectiles tranquille. Ma cavalerie, on va leur faire faire le tour mais tranquillement, ils sont un peu à bout de souffle. Général. Et il faut qu'ils aient la meilleure forme possible. Ici on temporise même pas mal, ce qui fait que je vais ramener mes unités. On va jouer encore plus la temporisation. Et ici, feu volonté. Voilà, on va vider nos pilums. Voilà ça, hop 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 hop. Voilà, c'est bien ça les gars. Ah ben non, il y a pas un pilum perdu là, j'ai envie de dire. Désolé mon ami, mais ils sont confiants hein. Purée. Maintenez, ah la cavalerie Tarantine en maintenez là-bas, en maintenez les hommes libres enrôlés, tu m'étonnes. Voilà, c'est bien ça, c'est bien. Le pli attaqué par l'arrière, ils vont pas faire. On va faire les mains longtemps, là on va bien faire une petite charge. Après, on va la mettre plus comme ça. On y va. Voilà. Voilà, ça a bien fait mal. Ils sont attaqués de toutes parts, c'est la débandade. Attends quoi, mon général il est mort? Il est mort de quoi? Il est mort de rire? Ah non. C'est bon. J'ai eu peur pendant un instant, j'ai vraiment eu peur. Je comprenais plus, je voyais pas mon général. Je disais attends c'est pas normal, c'était grisé en fait, l'action était grisée. Et quand elle est grisée en général c'est mauvais signe. Donc non, je sais pas pourquoi c'était grisé. Une petite erreur. Hop, allez. On va avancer. On va mettre une double ligne là-dedans. Hop, par contre, pas de foi à volonté. Voilà, on renforce la ligne. Très bien. Là-bas. Bon bah, ça va faire son boulot tranquillou. Hop, on va resserrer. Maintenez. Et mon général, je vais même pouvoir l'envoyer là-bas. Alors, on va le faire passer par là. Au cas où ils se prennent quelques projectiles gratuits. On va éviter. Ok, la cavalerie en est d'où? Elle est à bout de souffle encore. Et pourtant, ça fait un moment qu'ils n'ont pas bougé. Hein. Exactement. Allez, on avance. Donc je me colle bien aux maisons pour rester à l'abri hein, des feux à volonté là. Que Jupiter me donne la force. Mars, viens nous en aide. Si tu veux, ça reste des unités à distance, ça va en partie en plus. Hein. Ils tiennent bien en plus, hein, les salauds. Hein. Voilà. Là, c'est clairement pas leur avantage. Ils sont même pas en formation en plit. Tu me diras, en formation en plit, s'ils sont attaqués par l'arrière, c'était pas le meilleur choix. Ah, ils sont repris comme ça, d'accord.
Allez, resserrez-moi cette formation là. Oui, mort à l'emberne. C'est quand même sacrément costaud. Vivement que j'ai des unités un petit peu plus fortes un peu plus tard là. Je peux vous dire, ça va. On verra du haut. Voilà, vache, le nombre de trucs plantés dans leur. Leur bouclier, c'est. Ils gardaient bien la formation tortue, ça serait plus là une formation hérisson. Hérisson, tout ce que tu veux là, porc-épic, hérisson. Appelez-les comme vous voulez, les gars, mais alors là, ça serait tellement ça. Allez, focus sur les Turaos là. Eux, ils sont toujours à bout de souffle. Ah, voilà, ils commencent à être actifs. Seulement, entre guillemets seulement. Ouais, ils commencent à perdre pas mal d'unités là. Leur formation tortue. Elle est moyen efficace, hein. Hop, 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 désolé. L'autre, il lève son bouclier là pour faire du bruit avec. Il va se prendre une sale flèche, il va pas comprendre. Ah, t'as de la chance, ça a été sur ton copain d'à côté. Non, t'as de la chance, on sait rien si c'est ton copain. Mais on va dire que t'as de la chance, c'était pas sur toi. Là. Ok, 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 ok. Une bonne chose, une chose de faite et qu'elle est bonne. Bon, tout ça, les gars, je sais que vous êtes fatigués. Mais allez là-bas, à bout de souffle, en état de fatigue, à bout de souffle, en état d'épuisement. Ouais, y a un état d'épuisement, ouais, les prunes qui pèsent. Ils ont pris cher. Ils sont toujours en formation ou pas? Non, ils sont plus en formation. C'est parfait. Alors, je vais envoyer mon général, juste. Pour le général ennemi, intercepter le général ennemi. Hop, on accélère. Trahir, ils sont à bout de souffle, état de fatigue. Je suis obligé de les faire aller vite. Là, j'ai beaucoup d'unités qui ont perdu énormément de. Beaucoup de troupes qui ont perdu énormément d'unités là. Ça va être tendu. Là il avance ses peltast, très bien. Combien lui fasse, moi je suis. Je reste pas trop en. Oh la vache, ça fait mal ici. Ah ça fait mal là. Bon, j'ai envoyé le général là pour donner un petit boost. Un petit boost local là, mais. Je sais pas si ça va te prendre des tirs lui là. Pour les dieux. C'est pas gagné encore, hein. C'est vraiment pas gagné, hein. Bon, déjà les peltas sont plus l'air d'avoir trop de munitions, à moins qu'ils veuillent envoyer tout ça sur mon général. Non, je pense pas, il doit plus avoir de munitions. Hop, la cavalerie derrière. Je vais essayer de tirer ses lances Toureos. Là, il a pas encore de vision ici, ils doivent être épuisés. Grande fatigue, état d'épuisement. J'ai pas le choix que de les envoyer en plus, c'est terrible. Voyez-moi bien, je suis désolé les gars de vous faire ça, mais va vraiment falloir être bon. Gardez la vie.
Hop, on va les faire charger. Rome et notre mère à tous. Sic dominé. Là, le but, ça va être de les attirer aussi pour pas trop qu'ils... En sorte qu'ils pompent pas trop mes unités, là, les tours à hausse, là, avant qu'ils arrivent. Là, s'ils veulent jouer... oui, regardez. Hein. Là, ils ont voulu jouer, et ben ils se sont fait rentrer dedans. Bon, je sacrifie ma cavalerie aussi pour ça. Un cavalerie tarantine, allez les gars, mettez tout ce que vous avez. Passez comme ça. Oh non. Là mon but, voilà, ça va être de passer comme ça. Là. On va aller au contact des Tureos. Déjà, ils tireront moins de projectiles. Voilà. Là, je les ai attirés. Tenez bon les gars. Vous là, pouvez sortir de la formation tortue. Ah, c'est pas le moment, c'est pas le moment mon ami, c'est pas le moment de se barrer là. Et, ouais, j'ai vraiment plus d'unité là. Ah, c'est dommage, ça va casser avant que j'arrive, je pense. Je vais là-dessus, et les primes qui pèsent, je vais monter là-bas. Ah, ça va pas tenir là-bas. Ouais. Je pensais là que la bataille là va être perdue. Hein. Hors miracle. Si j'arrive à faire tomber leur général, peut-être. Ouais, le seul moyen serait que j'arrive à faire tomber leur général, mais je sais pas où il est. C'est pas dans le coin, là. Ah non, ici. Ouais, ils sont 8. Ah, il y a moyen, hein. Si le général, il tombe, là. Oh, doucement, pas trop longtemps. Là, je vais bien me montrer, je vais bien faire en sorte de me montrer pour augmenter... Hop, allez, on resserre la formation, je veux pas savoir là, mec. Je veux que ceux-là, ils se barrent de suite. La cavalerie, c'est pas mon problème. Ah, ce sont ces unités qui... Ouais. Le général lui-même, l'unité du général lui-même, si le général, il se barre, là. Ça va pas jouer à grand-chose. Hein. Allez, tenez bon, les mecs, tenez bon. Tiens bon, toi, tiens bon. Vraiment, tiens bon. Aïe aïe aïe, non, pas les miennes. Ah, j'ai même les triari là qui... Non. Putain, si même les triari ils tiennent pas là. Reculez. Terrible, j'ai perdu des unités là, j'ai des unités qu'on fuit, c'est terrible. Général. Là, si mon général y va, c'est vraiment terrible. C'est plus que terrible là. Si je dois engager mon général, c'est la merde. Bon, et sinon là, ça veut s'il vous plaît. Là. Maintenez, ouais, c'est bien. 89, toujours. Tu parles, voilà, les lance-tueros, ils sont quand même sacrément costauds. Hein. 72, ouais, faudrait que je me retourne après sur la cavalerie. Mais... Il est où, en général ? Repliez-vous ! Pas leur général ? Ah bah oui, super. Triari, là, ils veulent pas former... Je passe en formation carrée. Et le... Allez, formation carrée, les mecs, là. C'est le moyen de leur donner du moral et tout. Bah, ça va leur redonner un boost de morale, c'est tout ce que je peux faire. Ouais, je peux rien faire de plus. Ils veulent pas tenir leur position, ils veulent pas tenir leur formation. Ah purée, c'est bon, là. Ils se sont fait charger pile en formation carrée là. Heureusement, dans un sens.
pas tenir la formation carrée, c'est terrible. En formation carrée. Et bah, c'est bien de le répéter, mais fais-le quoi. Ils veulent pas garder leur formation carrée. Tiens, ta formation. Ah oh, purée, je me prends des projectiles là, sérieux? Je me prends quoi comme projectile? Mais par qui? Ah, oh, des lance-turéos derrière quoi, terrible. Là, ils vont percer, je suis obligé d'aller au corps à corps. Ouais, c'est la fin. On fait une bonne charge, mais ils sont 40, quoi. Ils sont 30. Ils vont prendre toutes les unités dans la tronche. Aller-retour, on va faire des charges, surcharge. Pas vraiment le choix. Ah oui, on va recevoir des renforts là-bas. Ouais. Allez, chargez-moi ça là. Gardez la vitesse. À vos ordres. À votre commandement. Dominé. Obidiamus. À vos ordres. Attends, mais ils ont pris quoi comme charge là? Là, je les charge, ils sont 74. Ils lancent tous les os. 72, ok. Donc une charge. Une charge, 5 morts. Wow. Vous êtes vachement efficace, hein, l'unité de général. Hein. Ouais, je suis impressionné par votre efficacité, les mecs. Wow. Allez, charge-moi tout ça. Compris. Ordre bien compris. À vos ordres. 60. Oui, commandant. Je me fais attaquer par les Peltast. Ordre bien compris. Ils en ont une de mes unités. On va les charger comme il faut là. Là, ils sont bien de dos les Peltast. Là, alors là, si je leur fais pas mal, je comprends pas. 0-0, je lui fais une charge à 3, 4. Wow, une charge à 4 morts. Hein. On va aller loin comme ça, les mecs. Hein. Je vous le dis, on va aller vraiment très loin. À votre commandement. Ils sont de dos, ils sont totalement dépaqués. Ils sont dispersés, je veux dire. Dépaqués. Ils sont totalement dispersés, de dos, une charge. 4 morts, bon bah là j'aurais même pas, peut-être même pas un mort. On dira, là c'était la charge le plus pourrie de l'histoire. Compris. Roma invicta. Même un gamin face à un ours, il aurait réussi à faire plus de dégâts quoi. J'ai perdu des unités en plus petit à petit. Allez, charge-moi ça là. Voilà, allez. Un mort. Un général contre des Peltast. Un mort. À votre commandement. Un général qu'au cavalier, bien sûr. Charge face à des Peltast. Les Peltast perdent une unité. Ok, c'est peut-être mieux là. 2, 3. 3 morts. 4, 5. Oh! 5 morts, oh la vache. Dis donc. Ordre bien compris. T'as tué 5 Peltast. Oh. Ah, ils sont barrés les Peltast. Ils ont fui, je crois. Oui, très bien. On ralemberne. Maintenez. Confiant. Confiant. Voilà.
votre commandement. Ah, c'est Mipring qui passe, il commence à se barrer là par contre, c'est foutu. Oh là là, vous. Alors là, vous, là, vu la charge que je vous ai fait, vu le nombre de personnes que j'ai vu tomber, si l'unité elle est pas dissoute là. 0. Non, 1. 1 mort. 2 morts. Repliez-vous. Oh, aïe, aïe, aïe. Vous repliez pas, les mecs. Oui, commandant. Ah, c'est de la cavalerie moyenne. Oh, la honte. Ah, je pensais que c'était de la cavalerie lourde, moi, non. Allez, on se replace. On inspire. Signe de faiblesse, ouais, ouais, tu parles. J'ai pas compris par contre comment en supériorité numérique là-bas avec les triaries on n'a pas réussi à prendre, mais c'est pas grave. Allez, signe de faiblesse, dis-moi que ça va. Ok, enfin, oh, ouais, final, là, cher, encore. Encore à corps, comme ça, il... Ah oui, 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 bah effectivement, il a pris le focus, là, des unités, des unités de Peltas, mais ils n'avaient pas fui, eux. Ah non, c'est pas les mêmes. Ok, j'ai besoin d'une nouvelle charge, là, sur les Peltas. Qu'est-ce qu'il... Ça va être compliqué, hein. Oh, c'est perdu. Mais on se battra jusqu'au bout. Bon, les mecs, balancez leur peltaste au moins. Vos pilums, je veux dire. Ah, oh, ouais, d'accord, j'ai des hoplites là-bas. J'en ai un qui est mort. Petit à petit, je perds des unités à chaque fois. Confiant, confiant. Charge là, elle fait rien du tout. Hein. Compris. À vos ordres. Ordre bien compris. C'est un miracle que mon général soit encore en vie. Compris. Non, j'ai pas chargé ici. Chargé là. Ouais, non, ça va pas passer. En plus, il aurait pas de cavalerie encore. J'aurais dit, je peux peut-être feinter un peu, mais là. Ouais, on va donner tout ce qu'on a, mais. Ah, oh, purée, ouais, attends, il a fait dépasser sa hoplite par derrière. Il a fait passer sa hoplite là, je sais pas comment. En plus, cavalerie face à hoplite. Ça aime pas. Ça aime pas du tout. Bon, par contre, s'il me tourne le dos, peut-être. Peut-être alors que. Non, c'est fini. Ouais, mon général vient de mourir en plus. Bon, ça aurait été honorable. 3700, il a sorti 3700 troupes comme ça. Bon. Après, comme je vous ai dit la dernière fois, mon but c'est de l'épuiser à long terme. Sniff. Sniff. Il lui restait vraiment pas grand chose. Ah là là. Bon. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Non, mais tu crois vraiment que tu vas pouvoir faire quelque chose, toi, avec ça? Oh non, faut que je le joue manuel. Ils sont chiants. Qu'est-ce que tu me... Pour
vraiment que je le joue en manuel, moi. Vous êtes chiant quand vous y mettez un. Non, vraiment, vous êtes chiant quand vous vous y mettez un. C'est... Bon, ils sont où là, eux, en face là? Je le vois pas, je les vois pas arriver donc. Oh, bah super, ils ont le droit au déploiement avant eux. Après, je veux dire. Alors, bon. On va se planquer, voilà, ces unités lancent projectiles à 20 km. Oh putain, c'est vrai que j'ai de la plaie qui sert à rien. Davis. Ça, c'est trop bas, j'aime pas. Infanterie de mêlée parée. Oui, mettez un trou énorme en plein milieu. Pourquoi pas les mecs? Non, comme ça. Comme ça, ça vous convient mieux. Tant mieux. Hein. J'ai toujours le truc du je ne sais pas où sont ces unités, quoi. Ah. Voilà. Mon but, ça va être de foncer sur le général. L'amiral. Le général. L'amiral. Voilà, pas plus que ça, je veux juste essayer de le couler, je le coulerai certainement pas, mais si j'y arrive, tant mieux. Ah oui, non, c'est surtout que si je me trompe d'unité. Ce sont des toilets au foloy. Ah, plus il a droit à des unités avec des trucs enflammés, c'est tant mieux. Charge-moi ça. Ok, plus de général déjà. Hop, je vais essayer de choper cette unité de tous les foloy. S'ils veulent bien, ils vont pas vouloir. Ah, ils veulent pas, hein. Eux ils sont bloqués par rien, ils sont bloqués par la lune, je suppose. Eux ils veulent pas reculer, je sais pas pourquoi. Voilà, je vois des batailles navales quoi, ouais, c'est magnifique. Ah bah là pour fuir par contre il veut bien obéir, hein. C'est dingue. Bon. Voyons. Je vais faire diversion avec la populace là sur le côté, on va la faire sortir vite fait. Hop, et là je vais partir sur le côté ici. Non, trop tard, trop tard, trop tard, trop tard. Revenez tous, revenez tous, revenez tous, revenez tous. Ils ont tous débarqué en même temps là. Ils sont tendus. Après, ils sont pas beaucoup. Voyons. Les Leves. Ici. Ils ont pas une unité là qui me balance des cailloux là. Ils sont beaucoup de teulés au foloy. Ah, c'est le problème. Hop, la populace, faites le tour par là. La populace, faites pas le tour par là, faites le tour par là. Terrible. Bon bah si, ça va être perdu ça. Ils sont chiants, ils sont chiants. Oh la populace, vous êtes censé être très léger et rapide hein. Hop, les primes qui pèsent, je vais les foutre devant en formation tortue. Non. Tu sais quoi, je vais faire mieux. Je vais reculer. Je vais les obliger à aller dans l'intérieur, à l'intérieur. Et hop, je vais leur fondre dessus. Les Aurora, je sais pas pourquoi ils sont foutus comme ça. Hop, là, on se met sur le côté. Et là, on fait coucou en fait. Là, ils vont vouloir prendre le point. Sauf que bah, le point, il est à moi. Alors, non, je suis pas mal, c'est plus que ça. Non! Arrêtez de charger, bordel! Putain, c'est ouf, hein. Putain, c'est ouf, hein. Ils veulent pas écouter, hein. C'est quand même dingue. Hop, là, par contre. Hop, et là, je vais essayer de couper. Stop, arrêtez de tirer, arrêtez de tirer, arrêtez de tirer.
Voilà, Rorari, bref, et vous là-bas, vous tirez tout sur les tourelles au Foloi. Hop, les Rorari, mettez-vous en formation carrée. Votre but, c'est juste de temporiser. Là, ça va rien faire de bien particulier. Vous retournez là-bas, j'en ai besoin. Carrier Celt, enthousiaste, ok. Et tous les au Foloi, ils sont pas bien. Ils sont pas bien du tout, même. Plus que des unités de tirailleurs. Non, il y a encore des tirailleurs au Foloi ici. Au pas de course, commandant. Fils de Mars. Hop, les Leves, là, vous me défoncez tous ces... Vos ordres. Je vais être obligé de les envoyer, hélas. En cadence. À partir de l'autre côté. On va aller se planquer là, comme ça, s'ils veulent encore tirer sur mon général, ils vont devoir aller me chercher. Hop là, impeccable. Là, pareil. Brave Romain, sans exception, Pink qui pèse. Ses ordres. Là, on va les laisser passer. Romain, prêt à faire leur devoir. Lance paré. Ouvre de charge. Pareil en attente. Parfait. Bon, 120, j'ai 240 de populace contre 40 personnes d'Onagre. Est-ce que ça va passer? Je ne suis pas sûr. Hop, et là. Sur les toulets au Foloi. J'ai normalement l'avantage, normalement. Alors, on va aller sur ceux qui sont... En infériorité numérique, on va les terminer et ensuite on va enchaîner sur l'autre. Après, qui passe, il galère. Alors, on va changer. Je vais faire attaquer par l'arrière. Très bien. Très bien, les rois, vous allez aller là-bas. Et vous là, un peu sur le côté. Si vous, c'est juste pour aller chercher eux. Rorari, vous êtes quand même bien censé aller choper eux. Voilà, là vous êtes attaqué de partout les tuolés au Foloi. Vous pouvez faire les malins, mais même la populace, elle est efficace dans ce genre de cas. Un minimum. Pff, qui est en train de courir derrière les. On continue, hop, toi tu vas aller courser l'autre là-bas. Alors par contre, oui, si c'est bon. Le but c'est de laisser le moins survivant possible. Toi dégage, ça sert à rien que tu bloques là, ils sont plus lents normalement. Mais le Vest devrait réussir à les intercepter. Si traîne pas trop la patte. Ça va aussi qu'on a de la place un peu sur la map, hein, parce que. Allez, encore, 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 encore. On continue. Allez, encore 11. Je pense pas que le ça va leur détruire leur navire à 11. Allez, finissez les 4 là. Parfait. Ça fut compliqué. Ce fut très compliqué. À un moment, j'ai vraiment cru que ça passerait pas à cause des tout le Foloi. Heureusement que j'ai réussi à choper leur général. Heureusement. Que j'ai fait couler leur général la pierre rapidement parce que c'était compliqué. Hein, sinon.
Ouh. Ah zut, il y en a quand même quelques-uns qui se barrent. C'est pas grave. Allez, moi, j'espère pouvoir terminer ici cet épisode. Oh non, j'en vois une autre, c'est pas vrai. Moi, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous propose de me retrouver très bientôt pour le prochain épisode. Je vous remercie d'avoir suivi, je vous dis à la prochaine. C'était Thiob. Ciao.